Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être ici présent à l'espace culturel du Centre Leclerc pour cette conférence sur la traduction. Alors, on ne va pas le faire en mode conférence. Je vais leur poser des questions, mais à tout moment, dès qu'il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit, vous pouvez lever la main et on va vous donner le micro pour poser votre question ou dire votre remarque et on discutera avec vous. Et c'est pareil aussi sur le live Twitch. S'il y a des questions, n'hésitez pas aussi à les poser. Et du coup, nous, on les prendra aussi directement. Est-ce que ça vous va ? Oui. Yes. Ouais. On va commencer déjà. Moi, je suis Flavien, donc je serai là pour modérer toute cette discussion. Et à côté de moi, il y a Nesrine et Aude, dont je laisse la présentation se faire par elle-même. Bonjour. oui, donc je m'appelle Nesrine Mezouane, je suis traductrice de manga depuis une douzaine d'années chez plusieurs éditeurs et notamment Kurokawa. Voilà. Et je traduis Blue Flag et Oshinoko. Merci. Toi, Aude. Bonjour, je m'appelle Aude Boyer, je ne suis pas traductrice de manga à la base, j'ai commencé il y a 4-5 ans peut-être. Je traduis Hippo pour Kurokawa et quelques autres séries pour d'autres éditeurs. Et voilà. Donc on va continuer tout de suite par rapport à votre parcours. Pourquoi êtes-vous devenue traductrice ? Surtout que toi, tu faisais d'autres métiers avant. Et c'est quoi un peu le parcours d'une traductrice ? Traducteur aussi. Oui. Alors, moi, c'est un peu comme Aude, en fait. Je faisais complètement autre chose avant. C'est vraiment un changement de carrière. Donc j'ai bossé dans l'audiovisuel. Et au bout d'une dizaine d'années, je n'en pouvais plus de mon travail. Et la question s'est posée à « qu'est-ce que tu veux faire, Nesrine ?» Et la réponse était « il n'y a que le manga dans ma vie, et les animés, et la musique japonaise, et les films japonais, et le Japon. » Et si j'essayais de trouver un boulot qui a un rapport avec ça. Donc j'ai refait des études, je me suis inscrite à l'université, j'ai fait une licence de japonais. Ensuite, en master, je suis partie, en ryugaku, donc en année d'études au Japon. Et en rentrant, il a fallu retrouver du travail. Donc, je me suis. Disons que, comme je fais entre guillemets partie du milieu du manga, c'est-à-dire que tous les gens qui sont maintenant éditeurs, qui font des séries, qui font No Life, toutes ces choses-là, tous ces gens-là étaient des gros geeks qui ont mon âge et que j'ai connu, moi, à l'époque où on n'était tous que des gros geeks et ce n'était pas notre boulot. Donc, je me suis orientée vers ces gens-là en leur disant ben voilà, j'ai fini mes études, il me faut du boulot. Je pense à la traduction de manga, est-ce que vous pouvez m'aider ? Et on m'a dit, bah tiens, on voit un CV à telle boîte, tel éditeur. Et donc, on envoie un CV. On a évidemment plus de chances qu'on nous réponde si on dit, je vous écris de la part d'un tel. Et puis, quand on débute, on ne nous fait pas confiance, on n'a jamais rien traduit, à part, je ne sais pas si vous faites des langues et vous voyez ce que c'est la traduction à l'école, ça n'a absolument rien à voir. Donc, je ne savais faire que la traduction scolaire. Et on nous fait faire des tests. Donc, si on a un manga en tête pour nous, on nous donne les 20 premières pages de ce manga. Si on réussit le test, ils nous le donnent. Ou si ils sont juste en train de recruter comme ça des gens à mettre dans un coin et au cas où, à un moment donné, ils leur donnent du travail, ils nous font tester n'importe quoi. Et puis, quand le temps est venu, ils nous disent, bah, tiens, toi, t'es plutôt bon pour le shonen, toi, t'es plutôt bon pour le shoujo, on va te donner telle série, telle série. Au début, on nous donne que des... Enfin, moi, en tout cas, à mes débuts, on m'a donné que des one-shots, donc pas une série, mais un manga où il n'y a qu'un volume. Et puis, si on fait du bon travail, on nous redonne un deuxième tome, un troisième tome, et puis après, on nous donne une série, et puis après, on commence à connaître un peu les gens, un autre éditeur s'intéresse à nous, on nous dit, tiens, j'ai entendu parler de toi, il paraît que tu fais du travail pas trop pourri. Et voilà, mais on nous teste quand même. Moi, pendant les 10 premières années de traduction, on m'a toujours testé quand j'ai commencé à travailler chez un nouvel éditeur. Là, un peu moins, parce que, entre guillemets, je me suis fait un nom, on va dire. Voilà. Attends, je te passe le micro, comme ça, on va entendre ce que tu dis. Bonjour, bonjour à tous. Comment ça se passe quand vous êtes, quand vous dites que vous êtes testé on nous envoie une quinzaine de pages, soit du début d'un chapitre, soit lambda, qui sortent de n'importe quel manga, n'importe quel chapitre. Et on nous donne un délai, on nous dit, ben voilà, tu as une semaine pour me rendre la traduction. Donc on traduit ces pages. Et si on est testé sur notre français, notre orthographe, notre expression.
notre capacité d'adaptation, parce que souvent, quand un éditeur envoie un test, il n'envoie pas n'importe quoi. Moi, je dis lambda, parce que pour moi, c'est lambda. Mais pour eux, ils ont bien choisi, parce que là, il y avait un jeu de mots, parce que là, il y avait un truc difficile, ou là, il y avait un piège, parce que dans le japonais, il y a beaucoup... C'est une langue très vague. Il n'y a pas de masculin ni de féminin, il n'y a pas de pluriel, y a ni de singulier. La plupart du temps, on ne sait pas qui parle de quoi. Donc, c'est très facile, en passant du japonais au français, de faire des contresens. Donc, on nous teste sur toutes ces choses. Et aussi sur le ton du manga. Si c'est un manga, c'est un shonen. Donc, un manga plus pour les garçons, pour les jeunes garçons, un manga d'aventure. Si c'est un manga plus d'amour, c'est quelque chose pour les enfants, c'est quelque chose pour les adultes. Selon la façon dont on fait parler les personnages, selon le ton qu'on donne, ils nous testent sur tout ça. Et si on a bon, on a du travail. Voilà. Elle va se présenter. On va te laisser parler autant. Et après, je te laisse passer. Ouais, bien. Parce que après, c'est sûr que ça va se recouper. Vas-y. Mon parcours, oui, c'est ça. J'étais fan de manga de l'adolescence. Enfin, j'ai eu un petit choc esthétique devant Akira, en gros. Et à partir de là, j'ai voulu faire du japonais. Donc, j'ai appris un peu toute seule. Puis, de fil en aiguille, j'ai fait une fac de japonais. Et après ma deuxième licence, en fait, je suis parti au Japon, au départ pour 2 ans, pour travailler en ambassade. Et au final, je suis resté 7 ans de plus, en gros. Près de 9-10 ans au total. Et quand je suis revenu, c'est un peu comme pour Nesrine. J'étais déjà très impliqué dans le milieu associatif autour du manga, des animés, tout ça, quand j'étais ado et étudiante. Et donc, à mon retour, pareil, je connaissais suffisamment de gens qui n'avaient jamais quitté ce milieu-là, pour le coup, alors que moi, j'ai fait plein d'autres choses qui n'ont rien à voir avec le manga au Japon, et tout en faisant beaucoup de traductions quand même. Et donc, j'ai fait jouer ces relations pour avoir des tests, et j'ai passé des tests, comme elle l'a expliqué. J'ai fait... une vingtaine, une trentaine de pages des fois d'un truc. Et puis voilà, j'ai commencé à travailler pour Kurokawa, l'occurrence. Et puis pour d'autres éditeurs ensuite, pareil, exactement le même processus. Au fil des rencontres, au fil des occasions qui se présentent. Voilà quoi. Trop bien, merci. Vas-y, tu peux poser ta question. Qu'est-ce qui vous a amené à faire spécifiquement de la traduction de manga? Est-ce que vous avez hésité avec d'autres métiers dans le même univers? Je disais que j'avais déjà un boulot, j'avais un métier, j'ai repris des études. Et la question, c'était, au début, alors que ce n'est pas du tout ma nature, je voulais faire du commerce, des trucs pour gagner de l'argent. Parce qu'en fait, quand on arrive à la fac de japonais, la première chose que nous a dit un prof à notre premier cours, c'était... Dans 3 mois, la moitié vont partir. Et vous n'auriez pas dû faire du japonais, vous auriez dû faire du chinois, parce que japonais, ça ne sert à rien. Donc, quand on commence là-dedans, on se dit, je vais rater ma vie. J'ai déjà raté une première fois, est-ce que je vais la rater une deuxième? Donc, moi, j'ai fait mes études, j'ai fait les 3 ans, sans vraiment savoir où j'allais. Mais tout ce que je savais, c'était qu'il fallait que j'apprenne le japonais, parce que le Japon, c'était vraiment ma raison de vivre, vraiment. Et c'est au bout de 3 ans où j'ai commencé à me poser des questions, me disant, il faudrait peut-être que tu te bouges un petit peu. Qu'est-ce que tu veux faire? T'adores les mangas, t'adores les animés. Et si tu tentais le coup? C'était vraiment ça. J'aimais pas spécialement la traduction, je vais être sincère. Je pense que Aude peut-être un peu plus parce qu'elle en a fait avant. La traduction, pour moi, c'était pour avoir des bonnes notes. C'était à l'école. Et j'ai appris sur le tas, j'ai appris en traduisant et j'ai appris à aimer ce que je faisais. Et quand j'arrive à faire une belle phrase, j'en fais peut-être une par manga, hein, quand j'arrive à faire une belle phrase, mais je suis très heureuse de moi, franchement, j'ai l'impression d'avoir accompli quelque chose, même si je n'ai pas sauvé des vies. Hein, mais bon. On ne sait pas. Ouais, non, mais voilà. C'est juste parce que vu qu'on est retransmis comme ça, on l'entend aussi. Pas de souci. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pour vous en quoi ça consiste, faire une belle phrase, pardon. Une belle phrase, c'est quand il y a une blague, c'est un joli jeu de mots, parce que quand on passe du japonais au français, des fois il faut complètement changer, parce que l'humour ne passe pas de la même façon. C'est dans Blue Flag, toujours. Justement, l'amour de ma vie, c'est Blue Flag. Justement, tout à l'heure, on en discutait, c'est voilà. Que pour Blue Flag, à la fin de ton tome, quand j'ai tu pleuré. Disais pleurer. J'ai pleuré à la fin du tome parce que j'étais tellement émue, pas par mon travail, évidemment, mais par le manga. C'est quand on a un beau manga qui est bien écrit à la base et réussir à retranscrire les émotions, faire des belles phrases en français, en fait. C'est parce que
en réalité, on peut traduire beaucoup de choses, mais on peut mal l'écrire. C'est pas, enfin, la traduction, ce n'est pas seulement prendre des mots en japonais et les écrire en français. Il faut vraiment transmettre quelque chose et transmettre les émotions. Franchement, dans Oshinoko, ça m'est arrivé récemment aussi et j'étais contente de moi. C'est ce qu'on appelle aussi l'adaptation. Donc, pour répondre aussi à la question, Oui, comment une tu... belle ouais. phrase. Oui, effectivement. Non, mais... Et aussi, comment tu... pourquoi tu as choisi vraiment aussi là, la traduction. La traduction. Et donc, on va aller aussi au-delà de la traduction, c'est aussi de l'adaptation. Quoi. Alors, moi, j'ai pas exactement choisi la traduction au départ, mais j'ai toujours beaucoup aimé écrire et je m'orientais plus vers le journalisme ou ce genre de choses. Donc, de toute façon, écrire était important. Et le manga, j'aime bien l'aspect... dialoguiste de la chose, je trouve ça intéressant. Et comme l'a dit Nesrine, traduire c'est pas juste le sens, c'est pas juste le sens des mots qu'on balance comme ça, parce que c'est pas très compliqué, c'est qu'il faut aussi transmettre la nuance exacte du sous-entendu, surtout dans le japonais qui est une langue assez floue, donc subtile sur ce qu'elle veut transmettre avec des expressions qui peuvent paraître assez neutres au final quand on les traduit littéralement. Donc faire passer ces nuances-là, ces émotions-là, et faire passer aussi tout un pan de la culture japonaise qui est différente. Une approche de tout qui est plus ou moins différente de celle qu'on peut avoir en Occident. Donc je ne sais pas, c'est ça que j'essaie de transmettre, enfin je crois. À tout moment, comme vous l'avez vu, vous pouvez lever la main et poser une question. Ouais, très bien, bon, on va continuer dessus. Et merci. Ah. Après, ce sera la demoiselle. Bonjour. Alors, en fait, moi, je sais que dans le japonais, il y a beaucoup d'idiomes et d'expressions, comme par exemple une grenouille dans un puits. Oui. Et donc, pour vous, est-ce que parfois c'est assez difficile à traduire en français ? Alors, est-ce que vous pouvez dire ce que c'est un idiome déjà ? Et parce que moi, je sais pas. Bah, c'est des expressions toutes faites, en fait. Donc, oui, ça dépend. Enfin, ça dépend. Des fois, il y a des équivalents quasi exacts parce que on est humain, on a tous un peu les mêmes comparaisons en tête. Il y a beaucoup de, c'est un peu comme les proverbes. Il y a beaucoup d'observations par rapport à la nature ou autre qui se retrouvent un peu dans tous les pays. Donc, je pense que ça marche. Il y a des choses très, très. Alors, j'ai pas d'exemple en tête là du tout, mais si t'en as un, n'hésite pas. Mais il y a des choses très imagées en général. Donc, on essaie de trouver une image plus proche de la culture française en l'occurrence, mais je sais pas. J'ai un souvenir, je crois que c'est dans Oshinoko, où il y avait justement une expression et il y avait aussi un dessin qui exprimait l'expression, sauf qu'en français on dit pas du tout ça. Donc il a fallu que je trouve un moyen de dire quelque chose qui pouvait avoir plus ou moins le même sens, tout en français. Que si on voit le dessin, on ne dit pas d'où sort ce dessin. Je me suis pris la tête, mais pendant, je dirais pas des heures, mais je sais plus ce que j'ai mis d'ailleurs. Mais voilà. Mais ça, c'est ce genre de difficulté qu'on peut avoir, c'est quand c'est dans l'image. Quand c'est pas dans l'image, on peut trouver un équivalent en français. Des fois, les expressions n'existent pas en français, donc on doit trouver quelque chose qui se rapproche. Et qui sonne naturel surtout, ouais. Parce que souvent, ça sonne un peu artificiel. C'est ça le problème. Mais le pire, c'est que quand c'est dans l'image, il faut vraiment trouver des. Enfin, il faut le voir, quoi. Des entourloupes. On va juste prendre ta question avant et après tu peux y aller. Vas-y. C'est bien. N'hésitez pas. C'est très bien. Est-ce qu'avant de faire des traductions officielles du coup pour les maisons d'édition, vous aviez traduit des pages sur votre temps libre, des scans ou des pages faites par des fans ? Moi non. Je suis beaucoup trop flemmarde pour ça. J'aimais savoir parler, comprendre le japonais justement pour me passer du filtre de la traduction par quelqu'un d'autre. Donc j'ai pas eu la motivation en tout cas de faire des sous-titres ou autre. Moi je crois que j'ai jamais lu de scan avant récemment parce qu'en fait je déteste lire sur un ordi. Donc les scans c'était pas mon truc. Oui. Est-ce que vous, ce que vous venez d'évoquer précédemment, est-ce que finalement c'est pas l'art du fait de transposer ? Bah, c'est de l'adaptation, hein. C'est ça. Hein. C'est et on adapte chacun son style. Hein. Je veux dire, moi, je suis pas Aude, on n'a pas la même personnalité. Je suis sûre qu'on n'utilise même pas le même vocabulaire, donc on n'a pas les mêmes références. Pour une même expression, pour une même phrase. Tout en gardant le même sens, on dira toutes les deux des choses différentes. En français. On n'a pas forcément la même sensibilité quand on lit la phrase déjà. Donc, je pense que...
Mais c'est quoi le plus difficile? C'est à la lecture de dire, OK, comment je vais l'adapter? Par exemple, quand il y a un jeu de mots ou un truc comme ça, ou c'est quand il y a des références culturelles très très marquées? Parce que ça, mine de rien, à chaque fois derrière le boulot de traducteur ou d'adaptateur, il y a quand même du boulot de recherche sur l'univers, sur les personnages, etc. Donc, quel temps ça vous prend et c'est quoi le qu'est-ce qui vous rend le truc le plus difficile et après le plus cool? Alors, moi, pour ce qui est des références, je pense que je compense mon niveau de japonais par justement ma connaissance des références culturelles. Parce que pour parler un peu, je bouffe du Japon vraiment tout le temps depuis mes 12 ans, quoi. Enfin, à tous les niveaux possibles. Dès qu'il y avait un truc sur le Japon, je le lisais, je le regardais. Enfin, et avoir vécu longtemps là-bas m'a aidé à parfaire certaines connaissances. Alors, il me manque encore plein de choses. Il y a beaucoup de lacunes encore, mais. Souvent, j'ai l'impression que j'ai justement la référence culturelle un peu nébuleuse et qui compense le fait que je ne sois pas une experte totale en grammaire pour certains trucs. Ou... Enfin, je fais plus de recherches en vocabulaire, en idiome, en choses comme ça, en japonais pur du moins, que en référence. Les références, enfin, ça c'est mon impression du moins, mais je ne sais pas pour toi. C'est aussi ta façon de travailler? Oui, sans doute, oui. Moi, je passe ma vie sur Internet. Donc, yahoo.co.jp, qui n'existe plus en France, il faut avoir un VPN. Voilà, maintenant. Alors, pour moi, en fait, la recherche, elle est là, elle est là. Que ce soit du vocabulaire, que ce soit une expression que j'ai jamais entendue, que ce soit une référence culturelle qui date de 1500 ou qui date d'hier. Les recherches sont les mêmes. Tu la trouves. Le problème, c'est de la retranscrire. C'est est-ce que il faut juger? Est-ce que ça vaut le coup que je la mette telle quelle? Est-ce que les personnes qui vont lire ce manga en particulier vont la comprendre? Est-ce qu'elle va dire quelque chose à tout le monde? Parce qu'il ne faut pas juste penser aux gens bah, comme vous, je suppose, qui lisez beaucoup de mangas, qui vous renseignez sur la culture japonaise et qui vous y connaissez quand même bien. Moi, je m'imagine ma mère. Voilà. Je me dis, est-ce que maman comprendrait ça? Bah non. Ah bah, je vais changer ou je vais... voilà. Donc, je vais l'adapter ou je vais trouver un moyen. Et des fois, on a un déclic. On est intelligent, j'allais dire, pas du tout. Merci. On est content, franchement, quand on a un déclic du genre, ah, en 2 secondes, ah, j'ai une super idée, je vais mettre ça. Et puis, des fois, il faut se creuser la tête. Alors, les jeux de mots, voilà, il faut. Et puis, il n'y a pas que le fait de faire un jeu de mots, il faut être drôle, il faut faire rire les gens. Et ça, bah, on teste, on demande aux gens. Moi, je demande, allez, fais-moi un jeu de mots avec ça. Toi qui fais des jeux de mots tout le temps, aide-moi. Je demande aux gens autour de moi. Franchement, il n'y a pas qu'Internet. Hein. Il y a mes amis japonais, mes amis français. Bah, j'ai jamais demandé, moi. Peut-être parce que je sais que tu as autre chose à faire. Voilà. Oui, il y a une question sur Twitch, vas-y. Ouais, on a une question qui nous vient du chat. Du coup, c'est est-ce que vous avez traduit pour des films d'animation ou seulement des mangas? Alors moi j'ai fait des relectures pour des sous-titres, pour des éditions DVD de Ghibli au Japon, mais c'est tout, j'ai pas fait d'autres choses. Moi j'ai fait tout et n'importe quoi. J'ai fait du manga, des romans, des light novels, des dessins animés, donc des séries, des dramas et des jeux vidéo aussi. Et c'est différent? C'est différent. Bah, le travail est la façon de travailler est différente. La difficulté ne l'est pas spécialement. Parce que, enfin, moi, à chaque fois que je me... Que se C'est sombre d'un coup. passe-t-il? Il y a un nuage La qui fin passe. du monde. Moi, quand je me lance dans un boulot, pour moi, tout est dur. À chaque fois, il faut que je réfléchisse. À chaque fois que j'utilise mon dico, Internet, c'est vraiment rien ne me vient facilement. C'est comme ça. La façon de bosser est différente. Quand on travaille sur un animé, quand c'est enfin, presque de la simultrade, il faut que la traduction sorte le lendemain de la diffusion en France. On le reçoit très en retard parce qu'ils ont peur des Des fuites. diffusés, ouais. Donc on le reçoit genre 2 jours avant. Il faut bosser toute la nuit pour sortir tout un animé. C'est beaucoup. Ça dépend. Hein. Des fois, il y a des animés où ils parlent tout le temps. Hein. Des fois, ils me disent rien. C'est super. Alors, mais comme je dis toujours, hein, mes pages préférées, c'est les pages vides. Et dans les animés, c'est les minutes où il n'y a pas de dialogue. J'ai les mêmes préférences. J'adore traduire ça. Voilà. Ça se passe plus ou moins de la même façon parce qu'on a un texte, parce que c'est vraiment très dur de traduire quelque chose qui n'est que à l'oral, parce que c'est pas un boulot d'interprétariat, c'est vraiment un boulot de traduction. Donc on a les textes et on recoupe avec ce qu'il y a à l'image. En fait, la seule différence, je dirais, c'est qu'il faut bosser beaucoup plus vite, vraiment, vraiment beaucoup plus Il y a aussi les contraintes de longueur de texte, tout ce genre de Oui, choses. bah, dans le manga, il y en a aussi, c'est pas tout à fait les mêmes, Oui. mais oui, voilà, il faut rentrer dans tant de secondes. Alors je sais plus, parce que ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Ça dépend des éditeurs en plus.
On a le droit à tant de caractères pour tant de secondes. Dans les jeux vidéo, c'est pareil, on avait le droit à tant de caractères. Toutes les deux, on a travaillé sur le même jeu vidéo. Ça nous a pris 4-6 mois. On était plus que deux. Sur un même truc, c'était chaud. Alors justement, j'ai à la tête un cas pratique. Je sais par exemple une personne qui s'appelle Akane, et puis un garçon qui veut être méchant qui lui dit Bacané, donc idiote. Mais simplement en français, pour vous, est-ce que c'est un piège ou vous arrivez à vous en sortir ? Eh ben là, tout de suite, je ne vais pas vous faire la traduction, hein, mais ce n'est pas un piège, c'est une difficulté. Parce que si vous l'avez compris, moi aussi je l'ai compris. Donc c'est pas un piège, c'est juste une difficulté. Que ce soit dans un animé ou dans un manga, ce sera pas la même difficulté parce qu'on n'aura pas le même espace, parce que c'est pas la même façon de narrer en fait. Donc il faudra juste réfléchir et essayer de trouver un moyen de faire passer le truc quoi. Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas. Hein. Je suppose qu'on gardera plus le sens d'idiote que le jeu de mots, enfin que le. Aussi, au ouais. Pire des cas. Ouais. Et tout à l'heure, vous avez dit qu'il y a une longueur de texte à faire, parce qu'il y a les bulles, etc. Comment on appréhende ça ? Parce qu'il faut faire des phrases concises, des phrases. Il faut aller droit au but. Il faut penser au lettreur aussi, parce que c'est lui qui rentre les textes dans les bulles, et c'est dur. Depuis que j'ai fait ce travail, je fais plus attention à la longueur de mes phrases, j'avoue. C'est à peu près combien de. Ça dépend de la bulle, mais en fait, il faut juger. En fait, il faut quand on peut vraiment pas tout mettre, parce que bon, la plupart du temps, on peut tout mettre quand même. Mais quand on peut pas, parce que des fois, par exemple, on a genre un truc ultra étroit et long comme ça. Ben, en japonais, on écrit de haut en bas, donc ça passe très bien. Mais en français, ça peut être très moche visuellement, parce qu'il faut voir aussi. C'est pas comme si que c'est pas un roman où y a rien de visuel en fait qui joue là-dedans. Donc il faut faire gaffe à ça. Et si on peut pas mettre toutes les informations dans la bulle, eh ben, il faut juger de qu'est-ce qui est le plus important et se concentrer sur ça. Oui, on évite les adverbes à rallonge ou les trucs comme ça aussi. Enfin, c'est des choses très techniques et très basiques pour éviter de. Les doubles verbes, les adverbes, voilà. Et sur vos titres, est-ce que c'était compliqué aussi ? Par exemple, sur Hippo, y a quand même beaucoup de choses, quoi. Oui, ils aiment bien commenter leurs actions. Enfin, il y a toujours quelqu'un qui regarde les matchs et qui commente en même temps. Il y a les commentateurs plus les personnages qui pensent plein de trucs. Alors moi, la difficulté que j'ai pu avoir pour Hippo, c'est que je reprenais une série qui avait déjà 109 volumes. Donc il fallait que j'intègre ce qui avait été fait précédemment. Et que j'intègre oui, aussi. 100 tomes avant. Et que j'intègre aussi le vocabulaire de la boxe auquel je. Enfin. Je ne comprenais pas grand-chose, donc ça, c'était les principales difficultés. Pour la taille des bulles, tout ça, non, Hippo, ça va, je trouve que c'est tranquille. Mais oui, j'ai dû me renseigner beaucoup, sur, suivant les séries, suivant la spécialisation, enfin le degré de spécialisation des thèmes. Oui, on a beaucoup de recherches à faire en amont, enfin, je pense que c'est pareil pour toi. Dans certains... Moi, Bouflag, ça allait, mais Oshinoko, ça me galère bien. Parce que, je ne sais pas si vous connaissez, mais univers des idoles. Alors déjà, une idole, en français, on ne dit pas une idole. Ça ne veut pas dire la même chose. Donc, il faut trouver un moyen de dire idole d'une autre manière et pas toujours de la même façon. Parce que sinon, on s'ennuie à relire tout le temps les mêmes choses. Et il y a tout le vocabulaire. Comme on le dit, il y a beaucoup de répétitions. En plus. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de répétitions. Donc, il faut être un peu inventif. Y a tout le vocabulaire de l'univers du cinéma, des séries, du théâtre, sans trop vous spoiler, et des concerts, etc. Et il faut connaître ce vocabulaire. Il faut, voilà. Et j'ai de la chance parce que mon père a travaillé là-dedans dans sa jeunesse. Et donc, de temps en temps, je l'appelle. Oui, papa ! Alors, il ne comprend pas le japonais, donc je dois lui décrire. Alors ça, comment on pourrait dire en français ? Et puis là, il me fait un cours d'une heure. Je me dis, j'aurais pas dû appeler mon père. Voilà. Il y a une autre question sur le chat. Oui, c'est est-ce plus facile de traduire des romans ou des mangas ? Les haïkus sont-ils pénibles à traduire si vous en avez déjà traduit ? Moi, j'ai pas eu de haïkus. Des fois, j'ai pas dans Hippo, mais il y a des espèces de sorts d'invocation ou des trucs comme ça qui sont un peu la même difficulté, je trouve. Et alors, c'était quoi la littérature, j'en ai pas fait. Je sais pas du tout. Tu peux parler plus fort. C'est pas du tout mon truc. la littérature, je me sens pas capable et ça m'intéresse pas suffisamment pour que je me penche sur le sujet. Mais toi, tu as fait les deux, je crois. Donc. Oui, alors la difficulté, elle est différente.
surtout pour quelqu'un qui a l'habitude de traduire du manga, parce que le manga, c'est beaucoup de dialogue. Et on devient, avec le temps, on devient bon dialogue, on sait faire parler les gens, mais tout ce qui est narration, c'est pas notre truc. Donc tout ce qui est phrase, parce qu'en plus en japonais, il peut y avoir des phrases qui font 5-6 lignes, va mettre ça en français, qu'avec des virgules. Et déjà, pour comprendre la phrase, il faut arriver à la fin, parce que souvent le verbe, il est à la fin. Donc, va remettre ça en français. Et donc, on doit découper les phrases pour qu'elles soient plus faciles à comprendre, etc. La difficulté, elle est vraiment là. Elle est dans, il faut se trouver un style pour la narration, quoi, je pense. Et il y a aussi le temps, parce qu'un manga, ça se traduit en quelques jours. Un bouquin, c'est beaucoup plus de temps. Voilà, c'est pas très français ce que je viens de dire. Moi, je connais des traducteurs qui refusent de faire du roman justement parce qu'ils s'ennuient vite et ils veulent pas travailler sur la même chose pendant des mois et des mois. Voilà. Il y a une autre question sur le chat. Alors, c'est avez-vous une série du début à la fin ou vous est-il arrivé d'avoir une série en cours de parution et est-ce difficile de prendre le train en route, si je puis dire ? Alors, justement, pour Hippo, toi, tu as pris complètement le train en route, quoi. Alors, moi, souvent, là, les titres que j'ai fait pour Kuro, je reprends des trucs, enfin, je prends la suite de choses qui existent déjà. J'ai travaillé un peu sur le guide de One Punch Man, dont je n'assure pas du tout la traduction d'habitude. Donc, même problème que pour Hippo, il faut lire ce qui a été fait précédemment, prendre plein de notes et coller au style de départ, quoi. Bon, des fois, on a le droit de changer un peu des trucs quand on trouve que c'était pas si bien que ça, parce que ça arrive quand même. Pour Nier Automata, on a travaillé toutes les deux là-dessus, pas sur le même, mais sur des livres de cet univers. Et pareil, il y avait déjà une VF, déjà plein de termes, déjà plein de choses existantes en français, donc oui, c'est un peu... Enfin, ce qui est difficile, si on aime se documenter, ça va, mais si on trouve ça pénible... Après, pour quelque chose, pour des bouquins, que ce soit des mangas ou des artbooks, etc., qui ont rapport avec des jeux vidéo, on est obligé de s'aligner sur le vocabulaire qui a été déjà traduit, si le jeu vidéo a été déjà traduit. Même si ça ne nous plaît pas, on est obligé. Sinon, on se fait tuer par les fans. Et ça, il y a quand même une grosse attente aussi à chaque fois. Des fans qui connaissent déjà l'œuvre, et puis après, est-ce qu'il faut coller à cette cohérence ou est-ce que tu arrives à l'adapter par rapport à tes goûts aussi, quoi ? Je pense que même inconsciemment, j'ai dû un peu changer le style de dialogue dans Hippo, enfin la façon dont il s'exprime, pas forcément drastiquement, hein, parce que ça marche pas comme ça, mais oui, forcément, ça me ressemble un peu plus que les 109 tomes précédents auxquels j'ai pas touché. mais oui, bien sûr, pour tout ce qui est des grosses licences, on part du principe qu'il y a une bible de traduction avec tous les termes, une liste, quoi, avec... un gros lexique avec tous les termes qui ont été traduits. Et sur le guide One Punch, c'était ça ? Tu avais tout un vocabulaire Alors, malheureusement, non, mais j'ai fait moi-même en cherchant dans chaque tome. Okay. c'est ce qui m'a pris peut-être le plus de temps au final. Mais ouais, pareil, pour Hippo, je prends des notes. Voilà. Je pense que tu fais pareil. Donc, oui, alors moi, quand j'ai bossé sur des trucs par rapport à des jeux vidéo, j'ai quand même essayé d'avoir les bibles. Ou pour Nier Automata, j'ai joué au jeu. Voilà. Oh, c'est dur. J'ai joué au jeu. Oui, oh là là, c'est ouais, dur là. Comme travail. Tu dois regarder des dessins animés, jouer à des jeux vidéo. et avec mon petit carnet de notes, et je notais tout le vocabulaire que je pensais trouver qui aurait un rapport avec sur quoi j'allais bosser. Et j'ai aussi repris des séries en cours. Comme Odin, il faut lire ce qu'il y avait avant et sans trop y réfléchir en fait, parce que quand on se prend trop la tête, je pense qu'on peut faire des erreurs. Il faut juste essayer en gros, on lit et on s'imprègne de ce qu'on a lu et on essaye naturellement de faire la même chose en fait. Voilà, garder le même ton, parce que je pense qu'on peut vraiment, si on fait pas ça, si on garde pas le même ton, mais comme c'est deux personnes différentes qui ont traduit, on peut vraiment sentir une différence. Vas-y, je vais prendre ta question. Alors, à tout moment, pareil, vous pouvez aussi lever la main, on file le micro. Alors, ma question est un peu technique. Simplement, si quelqu'un dans votre entourage vous laisse lancer dans la traduction et voulait vous demander des conseils, qu'est-ce que vous lui diriez ? Go, vas-y. je lui dirais... Alors, ça dépend quel est son bagage. Est-ce que cette personne a fait des études de japonais ? Je sais pas, faire les études qu'il faut, enfin même sans les avoir faites, il faut à partir du moment où on connaît le japonais, je pense que le plus important réellement,
c'est d'avoir un bon français et de réussir à faire des bonnes trades. Que ce soit des phrases fluides, quelque chose qui n'est pas lourd, c'est parce qu'il faut savoir écrire en fait. Enfin, en tout cas, on l'apprend. Moi, au début, voilà. Ne lisez pas les trucs que j'ai traduits à 10 ans, s'il vous plaît. On l'apprend avec le temps, je pense. Et puis se lancer, et puis envoyer des CV, et essayer de contacter les gens et leur demander, et se lancer, quoi. Il faut. Hein. Sur la même lancée, je leur conseillerais de consommer, de lire et de regarder plein de choses en VF, vraiment, de voir comment c'est fait. Grave. Parce que moi, j'ai fait ma snob et dès que j'ai pu lâcher les VF, les sous-titres, les trucs, j'ai tout regardé en VO pur et c'est cool, hein, je comprends, mais c'est vrai que je n'ai pas forcément du coup, intégré la mécanique des traductions des sous-titres vraiment naturellement sans y réfléchir parce que je ne les lisais pas. Quoi. Donc là, par exemple, il a fallu que je relise beaucoup de mangas en français, ce que je me force un peu à faire. Donc je conseillerais vraiment de pas négliger les VF et de pas passer tout de suite au japonais pur tout le temps, ouais. En se disant c'est comme ça que je vais progresser. On traduit quand même en français, donc il faut prendre ça en compte. Et en VF, mais pas, franchement pas les sous-titres, ça sert à rien de lire des sous-titres. Vraiment, pour les mangas, oui. Oui, mais ne serait-ce que quand on, peu importe ce que vous faites en fait, les séries, les dessins animés, même si c'est des trucs américains, après. Des fois, c'est plus ou moins bien doublé, mais il faut regarder des trucs en français pour voir comment. Parce que, comment dire, des fois, on est tellement dans notre boulot qu'on est tellement la tête dans le boulot qu'on se rend pas compte que notre dialogue, il est moche. Parce que pour nous, il est bien. Mais en fait, c'est des choses qui ne se disent pas forcément. Et en fait, écouter les gens parler en français, se parler en français, du tac au tac, du dialogue comme ça, des blagues, des jeux de mots, vraiment. Et tout peut être vraiment inspirant. Oui, j'avoue qu'en ayant passé 10 ans au Japon, c'était aussi une difficulté. Le petit côté syndrome Jean-Claude Van Damme, où on n'utilise plus les bons mots, des trucs en anglais, des trucs en japonais. On cherche pendant 30 minutes un mot ultra basique. Enfin, ça, c'était vraiment un truc où j'ai vu que j'ai perdu les automatismes de la langue. Donc, en lisant beaucoup, ça revient. En écoutant aussi les gens, ça revient. Et un autre conseil que je pourrais donner, c'est quand on veut essayer, on m'a donné ce conseiller pour conseil là pour traduire la littérature, on m'a dit ben prends une nouvelle et essaie de traduire et vois ce que ça donne. Enfin, vois si ça te plaît parce que c'est pareil, on peut se dire ah ouais génial, je veux traduire des mangas, ça va être un job super. Et si on n'a jamais vraiment essayé de se dire allez, je prends un chapitre et je vois ce que je peux faire, ça reste quand même très abstrait à mon avis. Mais je conseillerais d'essayer. Donc maintenant tu es aware. Je suis aware complètement. Vas-y. Oui, bonjour. C'était pour savoir, avec l'arrivée au final de Manga Plus en France, est-ce que ça vous tenterait, par exemple, de traduire des chapitres en simultrad ou est-ce que c'est au contraire quelque chose qui vous effraie ? Alors, c'est vraiment problématique. Parce que moi, j'ai une très bonne amie qui traduit des trucs sur Manga Plus. Elle est merveilleuse, elle a 10 ans plus de carrière que moi, elle est extraordinaire, voilà. Et moi, je ne le ferai pas, franchement, je suis fatiguée. En fait, à mon âge, j'ai besoin de dormir. je travaille déjà assez comme ça. Et en fait, je pense que c'est vraiment stressant. D'un côté, on a le stress de la rapidité, parce qu'on reçoit le chapitre, il faut le rendre tout de suite. Il y a aussi le fait de ne pas savoir ce qui va se passer après, parce que, comme je disais, le japonais, c'est une langue abstraite, c'est une langue vague. Et des fois, un personnage, on peut croire qu'il est de tel genre, et puis trois chapitres après, on comprend qu'en fait, c'est pas du tout ça, et ben, on s'est gouré. Donc, ce genre de choses, des fois, pour comprendre un début, il faut avoir la fin. Et franchement, moi, ça c'est un truc qui me fait peur. Et j'ai aussi très peur des trolls sur Internet. Donc, je ne voudrais vraiment pas faire des erreurs qui me retomberaient sur la tête. Oui, sur les grosses licences, c'est sûr que c'est l'angoisse totale. Alors, pour avoir fait un tout petit peu de traduction d'animé, pareil, sur 24 heures, je trouvais déjà l'exercice assez pénible. Parce que, pareil, les délais sont très courts. On a le stress de se planter. Bon, on peut toujours un peu plus reprendre les sous-titres, mais donc non, moi je ferai pas de la traduction en, je sais plus comment on appelle ça, mais enfin bref. Simultané, mais il faut faire, il faut laisser ça aux jeunes, allez-y vous. Oui. Non, mais si ça moi, vous motive, il y a pas de problème, mais ouais, je. Mais il y a aussi la relecture, il y a pas que la trad, il y a aussi d'autres. Oui, mais on a moins de, enfin. Je suis d'accord avec Nesrine, on a besoin d'une vision d'ensemble. Alors si c'est la suite d'une licence qui a 90 tomes avant, bon, c'est sûr qu'on a un peu plus de visibilité, mais quand c'est un nouveau truc, je pense que le tome en entier, c'est quand même pas mal pour pouvoir adapter déjà. Ouais. Moi, je vois très bien le titre. Il y a un titre qui est sur Manga Plus, c'est Dr. M. Scientist. Il y a vraiment le début, tu penses que c'est
c'est une femme, mais en fait, c'est pas du tout. Donc, c'est vrai que je pense que tu commences à traduire et tu fais ah, je suis gouré. Et comme en japonais, foutu, ouais. On peut pas savoir. Voilà. Voilà. Oui, il y a une question aussi sur le chat. On en a deux. Okay. La première, vous y avez déjà un petit peu répondu, mais du coup, c'est est-ce dur de s'adapter d'une série à l'autre, d'un genre à l'autre ? Donc, par exemple, passer de la romance à de l'action, etc., etc. Et la deuxième question, je vous la pose maintenant ou je vous laisse répondre ? Déjà, vas-y, sur celle-là. Alors, moi, j'ai eu beaucoup de trucs avec des mecs qui se tapent, au final. Donc, ce n'est pas exactement la même ambiance en vocabulaire, mais La reine de la baston. Exactement. Donc, traduction d'onomatopée. Beaucoup d'onomatopée, beaucoup d'interjections, de trucs comme ça. Non, mais quand ça change drastiquement de genre, moi, personnellement, je m'ennuie moins. Je préfère quand ça change. Sinon, on a un peu toujours l'impression de faire le même truc. Et si on fait bien ses recherches et qu'on s'imprègne du vocabulaire, ça se passe, je sais pas. Mais en fait, je pense que ça vient naturellement parce que les persos, ils sont qui ils sont. Et en japonais, quand ils parlent, on les reconnaît. Et donc, même si les trois premières pages, je suis un peu paumée parce que là, c'est un truc super triste et que le manga d'avant, c'était un truc super marrant. Et juste au fil des pages, on se corrige naturellement parce qu'on a, en fait, on a les persos en nous, on parle comme eux, on est obligé en fait pour les retranscrire ce qu'ils disent, leurs émotions, qui ils sont, leur personnalité. En fait, on devient un peu schizo en fait, et on s'imprègne de ces gens-là et on est à fond. Et quand on passe à l'autre manga, c'est pareil. Moi, ce qui me paraît un peu plus difficile, c'est quand on a un manga tous les ans. Et qu'il faut le reprendre. Et donc, on a fait 50 mangas entre-temps. Et puis, le tome 2 du truc que j'ai fait il y a un an vient de sortir. Donc, il faut que je bosse dessus. Et là, je ne sais plus qui est qui. Donc, j'ai ma petite Bible que je me fais pour moi-même. Je suis là, lui, s'appelle comme ça, c'est machin. Et puis, au bout, voilà, pareil, au bout des pages, je me remets dedans et je sais qui sont ces gens. Mais des fois, je ne me rappelle même plus c'était quoi l'histoire. Ça m'est déjà arrivé. Et même sur le classique, parce que tu t'as introduit aussi le conte de Monte Cristo et ça, c'est pareil. Comment tu t'adaptes à ça ? Ça dépend. Ça dépend du manga. Pour le Monte Cristo, j'ai juste relu le bouquin. Parce que le conte de Monte Cristo existe aussi en manga. Oui, chez Kurokawa. Et en fait, le plus problématique, non, mais le plus, celui où j'ai dû être la plus rigoureuse, c'était pour Les Misérables, toujours chez Kuro, parce que l'auteur a mis des phrases du livre dans le manga. Donc, on m'a prévenu, hein, parce que moi, le bouquin, j'ai dû lire, je devais avoir 10 ans, j'ai rien compris à l'époque. Voilà. Tu l'as lu à 10 ans ? Non, même mais pas je dis n'importe, mon gars, il faut pas au 10 ans, t'as lu Les Misérables. Je sais pas, je l'ai lu peut-être en lycée. Oui, je suis un génie, j'étais au lycée à 10 ans. Non, en tout cas, je me rappelais plus trop, à part Cosette et tout ça, là, et Jean Valjean, c'est mon héros. Mais depuis le manga, c'est devenu mon héros. Moi, c'est le meilleur des papas. Bon, la parenthèse est fermée. Donc, j'ai dû relire tous les bouquins. Il y en a deux, je crois. Ouais. Et en fait, repérer les phrases en français et en japonais, faire le lien entre les deux et prendre exactement les mêmes phrases. Donc, ça, parfois, dans le dialogue, c'est exactement les mêmes phrases que dans le bouquin. Et j'ai dû aussi, pour ne pas faire tâche, m'adapter complètement moi-même à écrire, enfin parler, là je dis parler parce que bon, c'est des dialogues pour la plupart du temps, comme dans le livre, pour que tout le ton soit complètement, enfin pour que tout soit cohérent. Quoi. Madame Victor Hugo, c'est bien ça, hein ? Je ne suis pas courée. Oui. Vas-y, je vais prendre la deuxième question du chat et après ça sera à toi. Il y en a une troisième aussi, mais qu'on fera après, ouais. Après monsieur, du coup. Non. Donc, même si sortir un manga, c'est un travail d'équipe, quel sentiment cela procure de voir son travail être autant attendu et apprécié ? Alors, personnellement, je ne m'en rends pas forcément compte du niveau d'attente, en fait. Je sais qu'il y a Hippo a des fans fidèles qui attendent vraiment la suite, même si je pense qu'ils lisent quand même les centrades en attendant. Mais je ne me rends vraiment pas compte de l'impact ou de l'attente. Pour certains jeux vidéo qui étaient très connus, sur lesquels j'ai pu travailler, je ne dis pas que je ne connais pas, hein, mais c'est que je ne me rends vraiment pas compte du tout de à quel point c'est important pour des gens. Quoi. Donc, Le truc, c'est qu'on est dans notre coin, chez nous, à travailler tout seul. Donc, c'est vrai qu'on ne se rend pas compte de tout ça. Je pense que c'est plutôt le cas pour des gens qui ont des grosses séries, du Naruto, du One Piece. Là, il y a des attentes. Mais moi, je n'ai jamais travaillé sur un très gros manga.
En revanche, je me rappelle, c'était la première fois de ma vie que ça m'arrivait où j'étais mais tellement fière parce que des gens m'ont dit « Nesrine, on adore Blue Flag ». Et là, ah, mais j'étais tellement heureuse. Déjà parce que les gens ils se sont rendus compte de mon boulot, ça c'est trop cool. L'éditeur était content et j'étais trop heureuse que les gens ils aiment ce manga parce que moi je l'aime de tout mon cœur et j'ai saoulé tout mon entourage pour qu'ils l'achètent. Mais tout le monde. Pas juste pour les droits d'auteur. Non mais laisse-moi attendre. Non mais sérieusement, j'ai ma meilleure amie qui est prof d'allemand et elle l'a fait lire à ses élèves. J'étais trop contente. Franchement, c'est Blue Flag, c'est merveilleux. Meilleur RP. Oui, t'as plus d'attentes. En fait. Ouais, t'as plus d'attentes. Oui, j'ai plus d'attentes que les gens en fait. C'est ça. T'as plus d'attentes sur toi. Vas-y. Oui, je me demandais si par exemple pour la traduction vous aviez des conditions imposées par votre éditeur ou bien par l'éditeur japonais. Des conditions. Tu veux par exemple éviter d'utiliser des mots vulgaires ou ouais, des toujours. Règles absolues. C'est implicite, en fait, tout le monde le sait. Il y a des trucs, je pense par exemple... Tu as une charte, par exemple, aussi Par exemple, pour Pokémon, je pense que c'est ultra, ultra réglementé. Mais en gros, on n'a pas le droit de dire des gros mots dans le shonen, ni dans le shoujo. Et s'il y a des gros mots, c'est pas le héros qui doit les dire, par exemple. Quand c'est des trucs plus seinen, pour des adultes un peu plus dark, etc., là, on se lâche. Mais il faut toujours rester respectueux. Donc, pas de langage homophobe, grossophobe, toutes ces choses qui peuvent vraiment blesser les gens. Sauf si c'est justifié par la narration. Mais ça l'est rarement. Et il faut, même si c'est très, très vulgaire en japonais, les gros mots à l'écrit, ça passe mal. On peut les dire quand on parle, ça peut passer, mais à l'écrit, il y a des choses qui ne passent vraiment pas. Et il faut faire attention à trouver le bon mot. Voilà, au lieu de dire « on dit « enfoiré », ça passe mieux. Voilà. Au lieu de dire « on dit « bon sang », « enfer » et « damnation ». Mince alors. Ah ouais. Ça fait très Tintin, oui, c'est vrai. Oui, il y avait encore une question. Oui, du coup, c'est cela vous arrive de traduire une œuvre que vous n'aimez pas du tout ou globalement, vous travaillez sur des histoires qui vous plaisent un minimum. On va commencer par Aude et après... Je connais la réponse. J'ai traduit des trucs qui ne me passionnaient pas spécialement, oui. Après, au fil du temps, ça dépend des séries. Enfin, Hippo, c'est le truc que... le plus long que j'ai fait. Je détestais pas du tout, hein, mais je me disais pas waouh, génial, je vais traduire Hippo, quoi. Je vais pas mentir. Mais au fil du temps, ouais, si, je trouve ça cool. Je me suis attaché à la chose. Mais vraiment, je me suis attaché au personnage, à l'histoire. Hein, je suis un peu à fond dedans, quoi. Par contre, est-ce que j'ai fait des trucs que j'aime pas du tout ? Oui. Au début, surtout, on choisit pas forcément ce qu'on va faire. Alors là, je parle pas des séries chez Kuro, j'ai eu de la chance. Mais il y a des trucs, c'est pas possible. Tout ce qui est un peu érotico, chelou, on n'y coupe pas quand on débute. C'est pas forcément très agréable. Déjà, en tant que femme, c'est un peu compliqué, des fois, l'esprit de certains titres pour adultes, pour le coup. Donc, j'ai pas toujours fait des trucs que je kiffe. Comme dit Aude, au début, on n'a pas vraiment le choix parce qu'on débarque, il faut faire ses preuves. Et puis on a besoin de manger, donc on prend ce qu'on nous donne. Et souvent on nous donne des trucs qui se vendent pas beaucoup, parce que comme ça ils prennent pas trop de risques avec nous. Si on fait du mauvais boulot, y a pas beaucoup de gens qui s'en rendront compte. En tout cas au début, il y a une dizaine d'années, c'était comme ça. Je sais pas si la politique a changé. Et donc oui, moi aussi j'ai fait beaucoup de choses comme ça qui m'ont à la limite du traumatisme. Sérieusement, à la fin de la journée, ma tête, elle explosait. Je faisais 10 pages d'un truc érotique au chemuche et j'étais aussi fatiguée qu'une cinquantaine de pages de Blue Flag. Ah, j'ai trop lourd. Mais avec le temps, avec l'expérience, on prend confiance en nous, on sait ce qu'on vaut. Et on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on veut pas. Et une fois qu'on a assez travaillé chez plusieurs éditeurs, qu'on peut payer son loyer et avoir son repas sur la table, quand on nous dit fais ça, on peut dire non.
Voilà. Le truc, c'est qu'on est freelance, et quand on est freelance, il y a la peur de se retrouver à la rue, sérieusement. Et parce que c'est un boulot ultra précaire, pas dans tous les sens du terme, parce que bon, on arrive quand même à vivre, mais on peut perdre son boulot du jour au lendemain. Et j'allais un petit peu technique, on n'a pas de chômage, on a que dalle. On a vraiment que dalle. Donc si on ne bosse pas, on est dans la rue. Donc au début, on prend tout ce qu'on nous donne. Parce qu'on a peur, voilà. Et puis, on prend un peu plus confiance en nous, et puis on se dit, on est peut-être un petit peu plus à l'aise financièrement, et puis là, on se dit, ben non, là, je vais arrêter ça, ça ne me plaît pas, etc. Et puis, des fois, moi, j'ai traduit déjà des mangas qui ne me plaisaient pas au premier chapitre, et puis je m'y attache au bout d'un moment, hein. Ça m'est déjà arrivé. Bonne surprise, quoi. Oui ? Vas-y. En parlant de rémunération, comment ça se passe au niveau de vos contrats ? Est-ce que vous êtes payé au nombre de pages, à l'heure, par manga, par... À l'heure ? Ouais, ça serait bien, ça. Ça dépend ce qu'on fait. Je rendrai jamais rien. Me donne pas des idées comme ça. Ça dépend des éditeurs, déjà. Il y a plus différentes politiques à ce niveau-là. Souvent, quand les éditeurs sont réglo et gentils, on a des contrats d'édition. Donc, on est payé en droit d'auteur, en fait. Enfin, en avance sur... C'est ça, hein ? C'est une avance sur droit. Et tout est très carré. Il y a une date de rendu, tout ça, machin. Et c'est... Ça tu peux expliquer un peu ce que c'est une avance sur droit, peut-être Une avance sur droit... Rapidement. Moi, peut-être tu sais mieux expliquer. Une avance sur droit, c'est... toi, tu demandais à la page ou au manga. Ça dépend. Il y a des éditeurs qui payent à la page, donc c'est tant la page, et même les pages où il n'y a rien. Donc, on fait tel tarif pour 192 pages, et on a ça, et d'autres qui disent c'est tant le manga. Les avances sur droit d'auteur, ils nous donnent une somme, et quand les ventes sont faites, si on arrive à rembourser cette somme, on est payé en plus. Le truc, c'est que, selon les éditeurs, c'est entre 1,05 et 2% du bénéfice, du prix de vente. Je ne sais plus quoi. Donc, il faut vendre des centaines de... Il faut vendre One Piece, quoi. Il faut vendre One Piece, il faut vendre Naruto. Voilà. Moi, pour l'instant, je n'y suis pas complètement. Moi, bientôt un café, j'espère. Mais Blue Flag, Oshinoko, allez-y, hein, les gars, vous gênez Ippo pas. Ippo aussi, Et je parle pour WAM. Oui, attends, les deux aussi. Hein. Donc voilà, on reçoit tous les ans un peu plus si on a réussi à rembourser cette avance qu'ils nous ont donnée. Si on ne la rembourse pas, ils ne nous enlèvent pas de l'argent. Ça, c'est bien. Voilà. Et ça, c'est géré par un organisme qui s'appelle la SOFIA. Voilà. Oui, il y a une question. Ça a répondu à ta question ? Oui. Je pense que oui, ça prend des notes à fond. Très bien. On a une question dans le public et une question dans le chat, donc on va commencer dans le public. Donc je tenais à vous remercier déjà d'être parmi nous et de remercier aussi l'espace culturel. Alors, du coup, j'ai deux questions. Enfin, la première pour faire court. Donc moi, je suis pas de la même génération. Est-ce que Albator s'est considéré, même si c'est comme un animé, par rapport à un manga ? Parce que moi, le manga, c'est un monde que je découvre avec vous. Et du coup, j'ai appris plein de choses. Je pensais pas que c'était aussi complexe que ça, parce que c'est vrai que quand on est devant un livre qu'on connaît pas, on voit pas derrière toute la mécanique qu'il y a, et pour moi c'est vraiment incroyable. Et l'autre question, c'est au niveau de l'humour français et l'humour japonais, est-ce qu'il y a un parallèle ou est-ce que c'est carrément deux univers opposés? L'humour sobre japonais. Du coup, la première question, Albator, c'est savoir si c'est Albator, c'est plus reconnu en manga qu'en animé. Enfin, ça existe aussi en manga. Il y a un manga. En fait, le manga, c'est le bouquin et l'animé, c'est le dessin animé. Alors, des fois, c'est le manga qui est la source de l'animé. Des fois, c'est l'inverse, suivant le succès commercial de la chose. Je ne sais pas ce qui est plus reconnu, les mangas. Je ne sais pas si, au Japon, c'est... Au Japon, je pense que c'était Ça reste quand même encore vachement méprisé, tout ça. Hein. Globalement, à part Tezuka ou des auteurs très, très établis qui sont des références, je n'ai pas l'impression que ce soit manga ou animé, les nouveaux trucs soient considérés comme une forme d'art exceptionnelle et très raffinée, quoi. Bref. Pourtant, ils ont une production phénoménale. C'est H24 à la télé, il y a des librairies partout. Enfin, c'est un bien de consommation. Ça reste de la pop culture. C'est assez étrange parce que moi, quand j'étais au Japon, j'avais une amie
coréenne qui faisait ses études aussi là-bas. Et elle était mais vraiment mais otaku de chez otaku. Et elle le cachait. Parce que les filles, c'est pas bien qu'elles soient otaku. Otaku c'est... étant un fan extrême. Bah, geek du manga, quoi. Et elle lisait ses mangas en cachette, quoi. Alors qu'il y en a partout. Il y en a partout. Il y en a partout, c'est bien. Hein. Surtout qu'ils sont publiés en plus sur des gros fascicules en papier recyclable. Et il y en a vraiment partout. Donc et ça coûte pas cher non plus. Donc, non, mais c'est sans doute moins stigmatisé, mais c'est pas non plus un truc très, très bien vu. En tout cas, nous, sur les vieilles licences comme Albator, etc., nous, c'est arrivé par le prisme, par la télé, et donc ça nous a fait toute notre culture. Mais au Japon, c'est vraiment de niche, quoi. Mais en tout cas, il y a le manga, après, il y a eu l'animation. Et nous, on est rentrés par l'animé pour ensuite aller vers le manga, et maintenant, il y a des BD, etc. Donc, c'est vrai que c'est, nous, on a un prisme qui est différent, parce que via le Club Dorothée, via aussi France 5, la 5 à l'époque, et ben, toute cette culture est arrivée, nous, au télévisuel, et après, on est rentré par Akira, par Dragon Ball, etc., sur le manga, qui ont été des lancements sur le papier. Et c'est pas diffusé de la même manière. Enfin, ouais. Toi qui as vécu là-bas, tu le sais. C'est très encadré en fait. Donc à 7h du matin, on a les dessins animés pour les petits garçons et les petites filles. Et puis un dessin animé d'Hippo, ça passe à 2h du matin. Ça ne passe pas à l'après-midi. C'est à partir de minuit, 1h qui passent les trucs pour. Quand je dis adulte, ça fait vraiment penser à des trucs bizarres, mais pas du tout en fait. Pour non, des mangas non. Un peu plus matures, des animés un peu plus matures, c'est vrai que c'est le même, le moyen de diffusion est différent. Mais je pense que maintenant, avec Netflix, etc., ça change. Mais c'est qu'on partait du principe en Occident, je vais élargir le truc, que les dessins animés c'était pour les enfants. Donc ça change le rapport. Et c'est pareil, le manga était aussi considéré pour enfants ici. Donc maintenant, ça s'élargit un peu plus. Heureusement, et c'est très bien, et c'est mieux aussi pour tout le monde. Et en revenant à ta question sur l'humour, est-ce que, vu que l'humour est pour tous, est-ce que c'est toujours différent? On avait dit qu'il y a un parallèle très grand. Alors, ils aiment, je sais pas, on est très calembour quand même en France, on aime bien les jeux de mots, tout ça. Ça, je pense que c'est un point commun. Après, le registre n'est pas forcément exactement le même. Je vais quand même, oui, on va pas se mentir, les Japonais ont un registre assez pipi caca sur plein de trucs, jusqu'à très 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 vieux. Donc ça, on a un petit peu moins cette culture, je trouve. Mm. Mais sinon, qu'est-ce que. Oui, là, non, c'est pas pareil. Mais après, on est plus ironique aussi ici. Ils manient un peu moins l'ironie. L'ironie, c'est pas trop leur truc, je crois. Hein. Si, ouais. Dans le Kansai plus déjà, mais. Côté Osaka, en fait, souvent quand il y a des mangas qui sont faits de ce côté-là, il y a beaucoup plus de l'humour est plus subtil et plus fin que effectivement. Mais oui, tout ce qui est humour noir, ironie, second degré, c'est pas exactement le registre de base. Ça existe, mais c'est pas le truc le plus naturel. Ils aiment bien l'absurde et le burlesque un peu, ça aussi. Ouais, beaucoup d'humour physique. Ouais. Et quand on est dedans, quand on a l'habitude, hein, parce que, petite anecdote, mes potes coréens au Japon comprenaient pas Friends, ça les faisait pas rire, parce que ils ont une culture et un humour proche des Japonais, et les Japonais non plus ils comprenaient pas ça, alors que moi j'étais mort de rire en regardant des épisodes, et je devais leur expliquer pourquoi c'était rigolo. Et eux, en regardant des duos de manzai, donc le manzai c'est des duos d'humoristes dont il y en a un qui martyrise l'autre, hein, la plupart du temps. Il y en a un qui fait l'imbécile et l'autre lui tape dessus. C'est le clown et le gust, quoi. Et vraiment, eux, ils trouvaient ça trop drôle. Et moi, j'étais là, ouais, non, c'est pas rigolo pour moi. Et en fait, à force de lire des mangas, de regarder des trucs, on commence à avoir un petit déclic et à comprendre ce humour. Après, pour le retranscrire, c'est, je pense, pas possible. Il faut changer. Il faut changer. Et aussi, il faut être drôle. Moi, je suis pas. Enfin, ça dépend. Des fois, je crois que ma blague elle est trop marrante et l'éditeur il lui dit non, Nesrine, je vais tout changer là. Ta blague elle est nulle. Il met autre chose. Je suis vexée. Mais bon. Lui, il est bon. Greg, il est bon. En plus, il y a d'autres formes d'humour. Il y a le rakugo, etc., qui est un art vraiment sur l'humour et sur l'histoire, qui est très 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 différent. Du coup, les mangas qui sortent sur le rakugo sont assez difficiles à adapter, mais c'est toujours intéressant de voir ces deux prismes d'humour qui viennent. Qui viennent conjoints pour nous raconter des histoires, en tous les cas. Je prends la question. Oui, on va prendre la dernière question du chat, du coup. C'est, donc, j'aurais deux petites questions pour être traductrice. Est-ce qu'être à l'INALCO et être diplômée aide sur le CV? Et quels sont les exercices de traduction que vous conseillez pour s'entraîner, s'il vous plaît?
S'il vous plaît, les... Alors, je moi je ne suis pas diplômé d'INALCO. Ouais, donc en fait, les éditeurs, ils s'en foutent. Pardon. Ils ne s'intéressent pas spécialement aux études que vous avez faites. Vous pouvez même faire des études de traduction. Et, comme j'ai dit, on vous teste. Et si vous réussissez le test, vous y êtes. Pour les exercices, on a parlé un petit peu tout à l'heure déjà. Moi, je pense vraiment pour tester son intérêt déjà, il faut essayer de traduire un chapitre d'un truc qu'on aime bien mais qu'on ne connaît pas forcément par cœur parce que sinon. Tester la traduction de manga spécifiquement parce qu'en cours de japonais, on fait des thèmes et des versions, mais en général, c'est des articles de journaux, des textes de littérature, enfin des trucs un peu plus. Mais il y a aussi des règles. Enfin, quand on est à l'école, ce qui est important, c'est de gagner des points et de montrer qu'on a compris exactement. Donc, c'est vraiment de la limite de la traduction littérale. Alors que quand on traduit professionnellement, il ne faut vraiment pas faire ça. Il ne faut pas coller au japonais. Genre, à l'école, on disait toujours coller le plus au japonais. Et quand on travaille, il faut s'en éloigner. Il faut adapter. Il faut faire du joli français, quitte à changer complètement ce qu'il y a dans la bulle. Tant que le sens y est, que l'idée y est, qu'on comprend ce que vous dites. Quoi. Après, je ne connais pas les cursus actuels, parce que ça fait longtemps que j'ai quitté la fac. S'il y a des spécialisations de traduction dans certaines facs, autant essayer. Je crois que maintenant, ça arrive dans certaines facs. Ouais. Oui, ils font ça, je crois, à Paris 7. Ouais. Il y a un truc spécialisé. Mais c'est important, en fait, c'est important de faire des études parce que ça aide à apprendre. Déjà, apprendre tout seul, c'est pas facile, surtout une langue aussi difficile que le japonais. Donc, ça aide à avoir une certaine discipline et aussi ça aide au français. Moi, avant de commencer mes études, j'étais pas bonne en français. Je vais pas dire que je suis géniale maintenant. Heureusement qu'il y a des gens qui me relisent et qui me corrigent. Mais j'ai fait des études de technique. J'étais technicienne, donc ça n'a rien à voir. Et tous les gens m'ont dit « Oui, tu veux faire la littérature, tu veux faire ceci, t'es nul, t'y arriveras jamais. » Et c'est vrai, ma première disserte, mon premier truc que j'ai fait à la fac, il était bourré de fautes d'orthographe et il a fallu que je me fasse violence pour que je m'améliore. Donc c'est important d'aller à l'école. On dirait une maman qui vous fait la leçon. Aller à l'école, les enfants, c'est important. C'est très shonen manga. Tu gambales jusqu'au bout. Quoi. Ouais. Non, mais il faut savoir bien écrire. Du coup, il faut y aller à fond. Quoi. Eh bien, merci pour cette... On peut les applaudir, toutes les deux. Ouais. Merci pour cette conférence et discussion sur la traduction de manga. C'est toujours un métier passionnant. Il y a toujours plein d'autres questions à poser. Mais pour l'instant, on ne peut pas, parce qu'après, on ne peut pas déborder. Mais avant de partir, vous pouvez remporter des petits cadeaux. Je vais vous poser quelques questions. Ça va faire un petit quiz. Et ceux qui répondent, ils peuvent partir... positivement, ils peuvent partir avec un tote bag qui est derrière vous. Donc sur Twitch, voilà, bon, vous voyez pas, c'est pas grave. Mais vous pouvez quand même participer aussi pour le jeu. Donc j'aurai un quiz, je vais vous dire des répliques. Il faut trouver d'où ça vient. Et là, ouais. Voilà. Vous levez la main et puis après on va vous donner les tote bags. Voilà. Et donc, est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes au taquet? Alors, je vais essayer de mettre le ton aussi pour vous aider sur ce... Petit indice à la maison, ce sont des séries Kurokawa, a priori. Oui, ce ne sont que des séries Kurokawa. Hein, c'est normal. Alors, d'où vient cette réplique, la première réplique? En fait, il faisait un boucan tellement pas possible là-dedans que je me suis descendu me plaindre. Je l'ai fait vraiment avec le ton. Ok, recommence. Il faisait un boucan tellement pas possible là-dedans que je suis descendu me plaindre. One Punch Man ? Oui ! On t'a pas du tout aidé ! On t'a pas du tout aidé. Ok. C'était Saitama dans le tome 23. Voilà, ça aide. Hein. Alors, question 2, quiz 2. Ah, celui-là plus difficile. Notification, l'acquisition du sort de magie invocatrice Appel du démon a fonctionné. Je recommence. Notification, l'acquisition du sort de magie invocatrice Appel du démon a fonctionné. Oui! C'est Sage au tome 10. Ou Sage, je sais pas comment on dit. Sage ou Sage? Sage. Comme je veux. Comme je veux. Sage. 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 Troisième.
facile. Tu devras te battre pour l'humanité et pour protéger Hadès Athéna. Ah, je sais pas. Ouais, vas-y, c'est quoi? Alors, lequel? Est-ce que tu connais Siri Kuro? Oui. Sinon, tu l'avais pas. Combattant. Non, je rigole. C'était Saint Seiya The Lost Canvas, c'est le grand pop dans le tome 1. Ah ouais, t'aurais dû. Ah ouais. Bah ouais. Alors, si votre école compte parmi ses principes la maltraitance des enfants, alors nous sommes troupés d'applaudissements. Alors, j'ai pas regardé, j'étais dans mon truc. Pardon. Ouais. Et c'est Lloyd. Mais quoi? Lloyd, c'est ça, c'était ça. Alors, facile. On dit que pour un boxeur, son poing, c'est sa vie. Ouais, facile. Tome 11, elle n'a pas traduit. Ça dépend. Hippo, tome 11. Ah oui, ah ouais, je sais pas quelle saison ça, il n'y a pas marqué. Je pense que dans toutes les saisons, on doit dire ça. Plus compliqué. Le bonheur d'être mère et celui d'être star ne sont peut-être pas compatibles, mais je les désire tous les deux. Ok, alors... Oui, mais il a déjà un. Elle avait la réponse, vas-y, donne-lui. Tu lui donnes un tote bag. Voilà, mais oui. Mais elle a noté avec son petit carnet. Là. Alors celui-là, tout à l'heure, on l'a testé avec justement le staff de Kuro. Bon, on va voir. Alors, lève-toi et marche. Toi, tu as encore tes deux jambes. Vas-y. Non. Vas-y, au fond. Ouais. Full Metal, Edward Elric, tome 1. Ouais, premier tome. Rose, effectivement. Oh la vache. Ça. Ah ouais. 8e. Je vais en poser 10. Pardon, j'ai oublié de préciser. Ne pas connaître ses propres limites est le chemin le plus court vers la défaite. Tu ferais bien de t'en souvenir, petite tête. Ça rime. Ouais, je recommence. Ne pas connaître ses propres limites est le chemin le plus court vers la défaite. Tu ferais bien de t'en souvenir, petite tête. J'ai pris une voix un peu enfantine. Du coup. Un manga... Hein? Ouais, non. Bien tenté. C'est Kurokawa. Il y a des petites bêtes. Levez la main. Oui! Oui, c'est ça! Pokémon. Pokémon... Bah ouais. Attends, je vais pas aller plus loin. Il y a des monstres! Bah oui, attends. Des Pokémonstres. C'est dans Pokémon Bleu, la grande aventure, tome 1. Avant dernière question, je ne peux plus attendre que mon roi légitime revienne d'Avalon. Ouais. Oui. Quel talent. Exactement. Attention, la dernière. Respirez avec le nez. Respire avec le nez. Cela t'accoutumera aux effluves de sang et de viscères, car ces odeurs sont le quotidien de tout aventurier. Je sais. moi, je sais pas. Je recommence. Respire avec le nez. Cela t'accoutumera aux effluves de sang et de viscères, car ces odeurs sont le quotidien de tout aventurier. Ah ouais, c'est chez Kuro. Il y a une armure. On voit jamais sa tête. Vas-y. C'est Goblin Slayer. C'était bien Goblin Slayer. Mais tu as déjà un sac. Du coup, j'en refais une autre. Alors, j'en refais une autre pour que quelqu'un qui n'a pas de sac puisse répondre. Qui connaissent. Ok. Putain, elles sont difficiles celles-là. Mais on va voir.
Si je veux conquérir le monde, je dois partir. Je dois. Pardon. Si je veux conquérir. Je recommence. Si je veux conquérir le monde, je dois d'abord partir à sa découverte. Dans chaque shonen, il y a cette phrase-là. Mais c'est là. Non, c'est là. C'est un truc assez. Il y a. Alors, dans le titre, on pourrait dire qu'il y a ces démons en anglais avec plein de chiffres. Alors. Ah, quelqu'un au fond. Allez, vas-y. C'est quoi ? Oui, vas-y, je te prends toi. Non, c'est Sekiro. C'est pas Sekiro. Ouais. Exactement, c'est ça. Satan 666. Merci d'avoir traduit. Et bien, on arrive aux 10 questions, aux 10 quiz. On peut vous applaudir. Bravo. Bravo d'avoir gagné. Bravo. C'était la première édition de ce Kuro Fan Tour. Il y a des animations qui sont en bas à l'espace culturel Leclerc. Il y a des boissons chaudes gratuites avec du latte art. Avec du latte art qui sont en dessous, vous pouvez y aller. Inspiré manga, bien sûr. Ouais, inspiré manga. Il y a aussi une bande photo avec un fond Spy Family et One Punch où vous pouvez prendre des petites photos et après dessus. Et il y a aussi toute l'équipe Kuro qui est à disposition pour parler avec vous, discuter avec vous. Oui, si vous voulez qu'on tape la discute, venez. Voilà, vous descendez à l'espace culturel de Leclerc de Saint-Herblay. Merci au Twitch, merci au chat. Merci. Merci à vous, public, d'être venu si présent. Et puis, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci. Au revoir. C'est qui tape sur la tête de l'autre? Ah, ben moi, c'est un peu moins l'imbécile.